mais le gagne assez nettement ce duel pour l'instant. On est à 0-0. Et déviation Maïs, cette fois-ci ça ne suffit pas. Et Dominic Kelly qui est là au deuxième poteau, 11 minutes 42. Sur une tentative de David Jobba et à 5 contre 4. Le Lausanne Hockey Club aura tenu les 10 premières minutes. La 12e centre de patinoire. Des Lausannois avec Bang qui combine bien et qui égalise. Et les Bernois qui se font surprendre, qui n'étaient pas en place. Genoé. Bang, ouais, c'est dévié par la jambière de Kruger. Allez, des Bernois avec Dominic Kelly à 5 contre 4 pour reprendre peut-être l'avantage. Werner, Dominic Kelly au centre, ça n'a pas traîné, 12 secondes. La passe de Dominic Kelly pour Richie. On est loin, c'est apprécié. Jobba, c'est la dernière qui sonne pour les Bernois avec Lettonen qui trouve un trou de souris sur le retour des deux Lausannois. Eh bien non, puisqu'il restait une seconde avant le retour conjoint de Genoé et Lausanne qui avait très très bien défendu. Interception Berti. Berti qui tente sa chance au premier poteau et c'est goal. Ah bah il se trouve. Et Berti qui inscrit probablement le but de la victoire, c'est 4-1 pour le CP Berne et en solitaire il a contourné la cage. Et voilà qui est fait, Berne met fin à une série de 3 défaites consécutives. Et donc Lettonen et Berti qui permettent à Tormainen, vous le voyez, d'esquisser un léger sourire. Berne 4, Lausanne 1, Lausanne a essayé, Lausanne a eu sa chance, mais Lausanne n'y est pas parvenue.